Et nous poursuivons nos entretiens ici à Marrakech. Et à présent, nous avons le plaisir de recevoir Son Excellence Hassan Adoum Bakhit Agar. Excellence, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Tchad au Maroc. Vous avez pris vos fonctions il y a de cela 3 mois. Soyez les bienvenus sur Media TV. Merci beaucoup. Alors, Excellence, vous avez participé, à l'instar des ministres que nous avons reçus ici, à cette première réunion ministérielle. Vous avez représenté le Tchad parce que le ministre tchadien des Affaires étrangères a été empêché pour des raisons d'agenda. Mais le Tchad adhère pleinement à cette initiative. Alors, après cette réunion de Marrakech, quelles en sont vos premières impressions? D'abord, avant de vous donner mes impressions, j'ai été la semaine dernière aussi, j'ai conduit donc une délégation tchadienne composée d'hommes d'affaires, la chambre de commerce, le patronat, et puis tous les hommes d'affaires intéressés par le transport de matériel, le transport des matières premières à l'extérieur comme à l'importation. Et nous, on a visité le port en construction de Dakhla. J'avoue que j'étais agréablement surpris et de voir un projet gigantesque, important, qui est managé à 100% par des Marocains, sur toutes les chaînes. Et on m'a dit que dans ce projet, il n'y a pas un seul étranger. J'étais vraiment agréablement surpris parce que à voir l'importance de ce projet pour la conception, le développement, la construction est managé par des Africains, de ce bois donc des Marocains. C'est un agréable plaisir que l'Afrique commence vraiment à se réveiller. Parce que s'il faut passer par des contrats avec des sociétés étrangères, avec l'expertise étrangère, vous n'allez pas finir toujours l'assistance extérieure à l'Afrique. Ce qui est important pour le Maroc et pour nous, une fierté aussi pour les Africains, le Maroc devient vraiment le hub de formation des techniciens, de la recherche, des études supérieures pour les pays africains. Depuis quelques années, mon pays a choisi un peu le Maroc comme le centre de formation universitaire de haut niveau, depuis que la France a fermé un peu ses portes à nos universités, plutôt à nos universitaires. Et le Maroc nous a accueillis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Tchadiens qui sont dans les centres de formation supérieure. De ce fait, la construction du port de Dakhla, pour moi, c'est une opportunité inestimable, puisque les pays enclavés comme le Tchad ont toujours souffert de cet enclavement pour l'exportation de ces matières premières. Je parle par exemple du coton à l'époque. Aujourd'hui même, l'exportation du pétrole passe par le port de Kribi, qui a au Cameroun 1 200 km par le pipe. Construire un pipe de 1 200 km, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande beaucoup de moyens. Donc, tout Beaucoup ce de que vous moyens. êtes en train d'expliquer justifie cette initiative. Initiative du roi qui consiste à donner une perspective agréable et surtout une opportunité pour les pays enclavés comme le Tchad. Mon pays fait partie de ces pays qui sont invités à cette réunion ministérielle pour d'abord voir un peu l'opportunité, la conception, l'avantage que nous allons tirer de ce port important, pour que demain nous puissions avoir plusieurs ouvertures. Et ça, c'est une solution que nous avons toujours cherché à avoir, à intégrer un peu dans notre chemin de développement. Cette opportunité également offre à notre pays
sur sa façade nord-ouest qui va nous ouvrir encore une autre opportunité pour diversifier les ports d'exportation du Tchad. Alors, il ne nous reste plus qu'à intégrer, à bien comprendre un peu le schéma. Le port est situé à Dakhla. Nous, nous sommes encore à combien de kilomètres de désert à traverser pour venir trouver vraiment le point de jonction. Pour le point de jonction, mon pays est en train de construire la transsaharienne qui est à quelques kilomètres de la frontière nigérienne. Si nous arrivons et que la partie qui revient au Niger est construite, nous avons accès directement à ce port, et ce qui est quand même soulageant pour nos hommes d'affaires également pour l'exportation. Alors, à vous entendre parler, on voit déjà la possibilité de construire des infrastructures, disons, à vocation régionale et intégrateur. Surtout qu'on parle aujourd'hui, même les bailleurs de fonds insistent sur ces projets intégrateurs. Donc, en un mot, cette initiative va accélérer le développement de ces projets intégrateurs. Absolument. Et surtout, les marchandises qui vont transiter par là, le Maroc offre vraiment un port pratiquement free du point de vue douanier pour permettre à ces échanges entre nos pays et même de l'Europe, d'autres pays, pour permettre à l'exportation et à l'importation de produits à destination du Tchad. Alors, aujourd'hui, à l'intérieur du Tchad, en quoi cette initiative va permettre d'accélérer également les projets d'infrastructure? Les projets d'infrastructure à l'intérieur du Tchad, le président Mahamat Debi Itno a commencé à construire d'abord les grandes routes qui relient à l'extérieur du Tchad vers des ports profonds. Par exemple, la route qui vient, par exemple, la transsaharienne qui vient de la frontière Niger, qui passe par N'Djamena, qui passe à l'intérieur du pays jusqu'à Apeche, à la frontière avec le Soudan, il va au port Soudan. Déjà, vous avez une connexion entre deux ports. Vous avez également de N'Djamena jusqu'à Douala. Vous avez également une connexion entre deux ports. Et cette fois-ci, vous avez la possibilité soit de partir à l'est vers le port Soudan, ou alors à l'ouest vers le Cameroun. Maintenant, en plus de ça, si on ouvre encore ce port, le problème d'encadrement du Tchad serait derrière nous. Donc, une ouverture donc, sur l'Atlantique va régler ces problèmes donc, d'enclavement. Alors, cela dit, comment voyez-vous, en termes de faisabilité, la concrétisation? Il n'y a pas certes encore de projet nommé, mais on voit déjà ce qui est ciblé en termes de corridor, en termes de facilitation du commerce. Comment voyez-vous rapidement la concrétisation ou ce qui va accélérer la concrétisation de ces objectifs-là? Mon frère, à partir du moment où vous avez un port qui est déjà construit par le Maroc, maintenant les connexions, c'est-à-dire le corridor qu'il faut voir pour connecter les différents pays enclavés que vous avez interviewés ici, les ministres, ça se fait très rapidement. Parce que la conception d'un projet, si elle est lucide, elle est compréhensive, facile à comprendre, l'argent ne fait pas défaut. Et aussi, ils cherchent vraiment à rentabiliser leurs ressources. Leurs investissements. En tout cas, quand on voit le projet donc du gazoduc Atlantique, qui est un projet transnational, je pense que l'Afrique aussi peut-être est dans cette logique de s'inscrire dans une dynamique de projets transnationaux. Alors, une dernière question, Excellence, vous venez de prendre fonction au Maroc depuis 3 mois. Comment jugez-vous la relation avec le Maroc et comment comptez-vous la développer? Je suis agréablement accueilli dans un pays qui est accueillant, très ouvert, et je dirais même tout ce qu'il faut pour redynamiser une coopération bénéfique entre le pays accrédité et le pays accréditeur. Dans ces conditions, moi, je me trouve vraiment parachuté dans un pays que je dirais idéal pour moi,
Et également, le Maroc également un pays qui parle l'arabe. Moi-même, je parle les deux langues, l'arabe et le français. Je me trouve vraiment dans un océan humain de coopération, de redynamisation et puis de concertation avec des amis marocains que j'ai très bien apprécié leur accueil. Et également, nous allons pérenniser cette coopération dynamique. En deux mots, quels sont vos objectifs de façon... On n'a pas encore tout à fait vu les repères importants de cette coopération. Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le Maroc est vraiment le pays le plus important pour la formation supérieure des cadres tchadiens. On va peut-être discuter sérieusement avec les responsables marocains pour redynamiser ce volet-là. Deuxièmement, sur la coopération bilatérale, avec le Maroc, nous avons déjà une grande cimenterie à N'Djamena qui couvre pratiquement, je dirais, 60% ou 70% de la demande. Des besoins du pays. Des besoins du pays. Et ça, quand même, c'est important. Même aux besoins, s'il faut encore multiplier la capacité, ce serait possible. Et le Maroc également a déjà donc acquis la téléphonie mobile avec Tigo, qui vient d'être dépassée sur le capital marocain. C'est aussi important. Je pense que sur les infrastructures et sur le commerce, parce que les hommes d'affaires qui viennent ici veulent acheter beaucoup de marchandises pour aller vendre chez eux, le transport coûte cher. Il n'y a pas de voie. Vous savez aussi maintenant, à traverser le Sahel, les bandits qui écument vraiment cette zone nous renchérissent encore davantage les marchandises. Comment trouver une solution justement pour éviter ce genre de perte d'efficacité. Donc voilà. Un ensemble en tout cas de solutions qui peuvent être trouvées à travers cette coopération. Merci à vous. Merci. Hassan Adoum Bahid Agar. Je rappelle que vous êtes le nouvel ambassadeur du Tchad au Maroc. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une invitation à l'occasion de cette première réunion ministérielle ici qui s'est tenue à Marrakech et qui a réuni en plus du Maroc, le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad. L'objectif est de voir comment concrétiser cette initiative royale lancée, donc annoncée le 6 novembre dernier à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Média.